Ouais, est-ce qu'on est reparti pour une game du coup? Allez, c'est parti. Y a tellement de taf qu'il faut que je bosse, les gars. Si vous croyez, là. Si vous croyez. Check, défend, va ramener le fou. Fait longtemps que j'ai. Putain, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait italien. C'est chiant, vos hôtels. Il essaye de t'appeler pour me coacher. Alors, je sais que c'est pas le numéro qui s'affiche. Alors. Ici, il fait un truc bizarre, très bien. Ça me fait toujours bizarre, un truc bizarre. Je vais pousser ici. L'idée de pousser ici après. Je joue contre un Américain, Daniel Lisa. Alors, ce qui vaut, ce sera la dernière game après, il faut que j'y aille. Alors, que j'aille me faire tester. Ce putain de Covid. Je prends le centre. J'ai l'impression que l'ouverture se passe plutôt pas mal pour moi. J'ai l'impression que l'ouverture se passe plutôt pas mal pour moi pour l'instant. Mais bon. C'est très bien mon niveau de conneries qui peut arriver très vite. Va peut-être roquer rapidement maintenant. J'ai l'impression d'avoir pris le centre, d'avoir des cases, des pièces bien développées. Je peux roquer en un coup. Donc ça c'est cool. Va voir. On va voir les gars. Ici, il fait ça. En vrai, je pense que c'est pas très bien joué. Ou quoique, je sais pas. Est-ce que c'est bien joué ou pas? J'en sais rien. Si je mange là, il peut prendre d'ici, d'ici. Moi, je peux prendre d'ici. Ouais. Pas ouf. Un peu Ken là. Non, un peu Ken. Non, non, non. Je vais manger du coup. Je pensais avoir un avantage, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, pas tant que ça. Alors là, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Je vais roquer là. Je vais roquer et je vais ramener ma tour ici. Je peux me manger là, mais ça m'inquiète pas trop. Je suis défendu là, là et là. Ça m'arrangerait même. Ça me permettrait d'attaquer le cavalier derrière. On va voir. Allez, Daniel Lisa. Fais-moi plaisir, poulet. Fais-moi plaisir. Putain, j'ai bien descendu, hein. J'étais monté à 1000 de Elo quand même sur chess.com. Ça fait chier. J'arrête de me dire que ça fait chier. Il faut que je le démonte. Comment on le démonte, Coco? Et Coco, on va le démonter comme ça. Se placer là. Et puis après, j'ai bien envie d'aller. Oh, mais j'ai trop. J'ai pas vu, putain. Il a bougé son fou. J'aurais pu bouffer là. Oh là là. Mais pourquoi je joue vite? Ça rend fou. Ça rend fou. C'est pas grave. Peut-être pas perdu l'opportunité, les gars. Peut-être pas perdu l'opportunité. Pas l'air de jouer très bien, Daniel. Oh. Il a l'air de jouer comme moi. Un peu étourdi, Daniel. Un peu étourdi. Il est un peu dans son monde. Au secours, Valken! On va le réveiller, Daniel. Allez, on va prendre les plus 9 là. Ok, bon, on va faire un truc un peu chelou. On va prendre du coup. Allez, Daniel. Réveille-toi, mon ami. Réveille-toi. Je veux le fumer, moi, Daniel. Je veux le fumer. Bon, ici, c'est pas le bon délire, hein. Sa case, elle est ultra protégée. Hop. Moi, je l'attaque. Deux fois, trois fois aussi, quoique. Okay. Faudrait que j'attaque une fois de plus si je voulais prendre. Mais compliqué. Je pourrais ramener mon fou ici. Et me lasser là. Ce serait pas mal. Je peux mettre mon fou ici, je pense. Jouer sur la case faible. S'il attaque mon fou, pourquoi pas. Je suis pas sûr que ce soit bien joué. On va aller là, du coup. Et sur ce magnifique move, on va se barrer. On va se barrer. Pas là, sûrement pas. Sûrement pas non plus. Je peux aller là, est-ce que c'est problématique ou pas? Non, je pense que je vais venir là tranquillement. Salut frérot, 1v1. Salut, Aizio. Désolé mon poulet, c'est ma dernière game. Mais t'es quel. Dis-moi quel classement t'es. Parce que le problème, à chaque fois que vous me défiez, les gars, là, c'est que vous êtes trop fort pour moi. Du coup, je me prends des rousses. Après, ça me tilt. Et après, je perds en partie contre des gens 1900. T'es chaud, toi?
Allez les gars, vous êtes chaud! Je débute, Pierre Lola. Vous êtes vraiment des sauvages. Hein. Vraiment des sauvages. Bon, bref, réfléchissons. Je vais attaquer ce pion-là. Moi, mon plan, c'est d'attaquer là. Il est défendu une fois et deux fois. Voilà. Donc, si je mange là ou j'attaque là, c'est bon. Voilà. Mon plan, c'est d'attaquer là. Le maillon faible, il est décidé, il est ici. Et je vais peut-être devoir me développer un jour aussi. Hop. Prendre le pion. Hey, coucou mon Jim Jim. Comment s'est passée la sieste? Est-ce que je mange avec la tour ou avec... Non, je mange avec le cavalier. On est à plus 5 pour l'instant, c'est pas mal. S'en sort pas trop mal. Faut plus pas troll. Voilà. Enfin, je dis juste pas troll, mais vous savez bien que je troll assez hard en général. Donc ça pouvait m'intéresser de pas troll, ce serait cool. Va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Bon, je crois qu'il est un peu en PLS là, Daniel. Ça me fait plaisir de mettre des gens en PLS tellement je me fais tes montes et ta session casino. Pas mal, mon Jim. Pas mal, mon Jimbo. Je pense qu'on fera un bonus pour demain matin. On fera un petit bonus pour demain matin. Bon, qu'est-ce qu'il fait Daniel là? Daniel, oh! Wake up! Ah, par contre, j'avais pas vu, mais si je mange ici, j'ai une petite fourchette. Ah. Et encore des trucs bizarres, Daniel. Daniel, il fait encore des trucs bizarres. S'il a réfléchi 20 minutes pour faire ça, quand même. Bon, là, je vais ramener sa dame, je pense. Moi, je vais rentrer chez moi. Ok. Pourquoi no? Fatigue un peu. C'est pas si mal joué en vrai. Je vais mettre là. Tac, 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 tac. Je vais mettre là. Bon, il tente des choses, on va dire. Tente des choses. J'ai envie d'être arrogant là. Ça fait tellement plaisir. C'est pas moi qui en galère là. Allez, on lui fait les plus 9, les gars. Donc là, échec, normal. Se mettre là. Je me sens pas en danger, mais c'est peut-être une connerie. Tu veux la grande nouvelle ou pas? Vas-y, envoie Jim. Envoie Jim Jim. T'es augmenté, tu vas gagner deux fois ton salaire. Dis-moi mon Jimbo. Ou alors t'es enceinte. Je sais pas. Dis-moi Jim. Dépêche-toi, hein, parce que là, dès que la partie est finie, je me tiens. Je me suis fait exclure définitivement du casino. Le plus beau jour de ma vie. En vrai, t'as tellement raison, mon bro. Je sentais que ça commençait à être difficile pour toi, je savais pas quoi dire. Mais c'est bien, mon gros. C'est bien, c'est bien. Mais tu fais bien de me le dire. Je te donnerai plus de giveaway. Ok. Donc là, il me bouffe. J'ai trop bouffé, de toute façon. Je suis obligé de me rebouffer. Je suis en train de regarder parce que là, si je viens là, j'ai une fourchette entre sa dame et sa tour. Ça peut être pas mal. Peut être pas mal. Là, je vois pas de danger, en tout cas, les gars, pour l'instant. Il faut juste que je fasse gaffe à pas enlever ma dame, sinon il peut venir ici. Non, même pas, parce que du coup, il serait bouffé. Donc là, il met en PLS un peu tout ça. Pourquoi pas? Je pense qu'en vrai, je suis pas spécialement en danger. Juste à mettre mon cheval ici. Ah non, il vient pas ici le cheval. C'est ça le problème. Si on sait pas calculer. Si on sait pas calculer, c'est quand même problématique. Je vais mettre ma dame ici. Je vais mettre ma dame ici. Et il a raison, Chimboz. Le problème, c'est que sur Internet, le jour où tu auras envie de recréer un compte, tu pourras le faire. C'est un des problèmes avec les casinos en ligne.
Ah, mais je suis con, c'est à 19 h que j'ai pris rendez-vous. C'est-à-dire que j'ai encore un peu de temps, ouais. C'est à 19 h que j'ai pris rendez-vous, les gars. Ok, bon là j'ai mis ma dame là parce que du coup ça c'est pas un problème parce que ma tour couvre et du coup je voulais juste couvrir ma tour, tout simplement. Voilà. Allez, accélère Pépito. Voilà, si je la gagne pas celle-là, c'est quand même incroyable. Je sais pas ce qui peut se passer pour que je la gagne pas, mais si je la gagne pas, c'est quand même incroyable. Le prochain move c'est d'attaquer là, pardon. Ok. Attaquer là, je pense qu'il va me prendre là, mais je vais prendre là. Alors, est-ce qu'on peut gagner cette game? Ah, mais c'est trop bien que tu l'aies fait, Jimbo, c'est trop bien. Moi qui pensais que t'étais enceinte, bro. Bon, Daniel, là, il est en train de fusionner son cerveau, mais il n'y a pas beaucoup de solutions, je pense, poulet. Hein. C'est pas pour être. C'est pas pour être pas sympa, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour toi, mon poulet, pour gagner là, Daniel. Faut que t'abandonnes. Faut que t'abandonnes, mon bro. Compliqué, frérot. Bon, je vais prendre plus 9, normalement. Donc je vais arriver à 938. Putain, c'est dur. Hein. C'est dur. C'est dur de monter en Elo, c'est grave. Encore un peu de chemin jusqu'à Grandmaster, les gars. Encore un peu de chemin. Bah, mets-toi aux échecs, Jimbo. En vrai, j'aurais préféré être enceinte. Mais mets-toi aux échecs, poulet, franchement, c'est trop bien. Intellectuellement, ça va te stimuler de ouf. Ça coûte pas d'argent. Ça coûte pas d'argent, mon bro. Cher, ramène sa tour ici, c'est pour aller attaquer ici. Je vais ramener ça là. J'aurais pu manger là aussi, pardon. Je suis pas fait gaffe. Je suis dépêché. Attaquer là. Il n'y a plus beaucoup de temps, Daniel. Plus beaucoup de temps, Daniel. Ah, c'était une connerie, ça. Bon, gagner autant de façon. Horrible, hein. Il aurait dû abandonner il y a 20 ans. Hein. Je vous passe l'analyse. J'ai pas fait de grosses erreurs, de gros gains manqués, donc c'est pas mal. Game plutôt propre, un peu chiant à attendre, mais plutôt sympa.